Tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas. Il y a des gens qui ont essayé de te tuer depuis longtemps. Il y a des gens qui sont jaloux de toi depuis longtemps. Ils passent par ceux qui sont à côté de toi pour observer le moindre de tes mouvements. Les miens sont sur ma page. Ils sont abonnés en sous-marin. Ils ne vont jamais liker un de mes posts. Ils ne vont jamais commenter un de mes posts. Mais ils sont au courant de tous mes mouvements. Je viens vous informer que vous êtes sous garde rapprochée. Écoutez-moi bien. Vous êtes sous garde rapprochée. Vous êtes protégé depuis longtemps. Vous êtes protégé depuis longtemps. Le jeûne, c'est que tu es en train de faire depuis. Donc, ça, c'est ton troisième jour. Il faut que je te rappelle qui est avec toi. Il faut que je te rappelle ce qui est dans ton camp. Tu es très intuitif depuis longtemps. Tu ne savais pas. Ils viennent, ils essayent. Oui, j'ai rêvé ça de toi. Tu dois te protéger, hein? Tu dois faire attention, hein? Oui, est-ce que tu travailles même sur toi? Dis-leur que non. Parce qu'ils sont venus te tester la nuit. Ils sont venus un peu tâter le terrain. Ça fait boum. Aïe, karabakoshe, karandara, katiyalavaso. Ils sont venus te tester. Ils ont vu que, hey, la fille là, pourquoi on n'arrive pas à la toucher? Écrit, je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis là pour te rappeler que tu es intouchable. Je suis là pour te rappeler qu'on ne peut rien te faire. Tu me suis? On ne peut pas te toucher. Donc, ta garde rapprochée est trop forte. Ils ont essayé par la gauche, par la droite, par en haut là, en bas. Est-ce que tu travailles sur toi? Ouais, il faut te protéger, hein? Vraiment, j'ai vu comment tu étais atteinte, tu souffrais. Tu pleurais dans ton rêve, dans mon rêve là, tu pleurais. Oh, maman, c'était ton rêve. Laisse le jour où moi je vais rêver. Le jour où moi, c'est quand moi je vais rêver que je suis en train de pleurer, que ça va m'inquiéter. C'était toi qui es arrivé là. Don't worry. Ils vont venir vous attaquer. Ils arrivent. Ils arrivent. Oh, je t'ai vu là-bas, tu avais tout perdu. Je t'ai vu, tu n'allais pas bien parce que ton cœur ne me dit pas le bien sur moi. Et croyez-moi, si Dieu veut vous parler, il vous dit en avance. Si quelqu'un doit venir te dire que, oh, j'ai vu ça de toi, croyez-moi, Dieu va d'abord te parler avant de parler à quelqu'un d'autre. Donc, vos pseudo-amis là, qui sont toujours à côté de vous, genre, ah, il faut. Non, 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 non. Donc, je te rappelle juste, c'est depuis 15, 20, 30 ans qu'on te protège. Tu ne savais pas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais aimé la tata si. Hein. Quand ma mère me forçait de partir, je sais, je n'aimais pas partir. Tu as fait un travail de 3 jours là. Elle est tombée dans le coma. Hein? Je vous ai dit hier que j'ai un ami qui est parti. Il y a une femme dans son quartier qui ne l'aimait pas. Parce qu'un jour, soi-disant, il avait insulté la femme. Elle s'est fâchée. Il demande pardon n'importe comment. Il vient même pour acheter quelque chose chez elle. Elle ne veut pas. Elle le chasse avec son argent. Et il avait une partie de son corps qui lui faisait mal constamment. Il a engagé un travail là avant-hier. La même nuit, la femme l'est morte. Il ne savait même pas que c'était elle. Vous êtes protégé. Vous me suivez? Vous êtes protégé. Si tu as répété que ça entrait dans toi, c'est bon.